côté de mon approche particulièrement engagé dans le domaine de la situation. Depuis l'engagement de Monseigneur, qui est à l'origine de la déclaration de Monaco signée en 2008 par 26 pays. Je suis en charge d'une part des stations polaires françaises et également du navire océanographique devant la flotte française, le Marathon du Fret. Je ne conçois pas d'aventure sans bateau. J'ai donc construit le Yersin, qui est un bateau d'exploration robuste, sûr, fonctionnel et surtout respectueux de l'environnement. C'est un navire conçu pour des navigations transocéaniques lointaines et prolongées, dans des conditions de température extrême, avec un haut degré de fiabilité. Vous avez fixé un objectif, réconcilier l'humanité et la mer. Les grands décideurs de ce monde à vous rejoindre à bord et, si je peux le dire, à mouiller la chemise pour protéger les océans. On peut peut-être même penser que les plus courageux se jetteront à l'eau avec vous. L'océan garantit le fonctionnement climatique de la planète. C'est grâce à lui que le principal gaz à effet de serre, qui est la vapeur d'eau, assure à la Terre un climat tempéré. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, bon, je vais vous dire une chose. Pour nous, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Parce que ça fait déjà plus de 30 ans que je travaille directement pour protéger Malpelo et comme naturaliste, biologiste et scientifique qui met ses palmes et regarde tout ce qu'il y a sous Malpelo et qui m'a toujours fasciné, qui n'arrête pas de me fasciner en regardant seulement ce qu'il y a entre la surface et les 60 mètres de fond, là où je peux arriver jusqu'à présent. Et nous travaillons avec un vieux bateau que nous louons et permettons que d'autres scientifiques de la Colombie puissent travailler dans d'autres domaines. Nous travaillons depuis l'année 2000 en faisant de la recherche scientifique sur les coraux, l'ichtyoplancton, l'océanographie, les poissons de récif, les mammifères marins, les requins et les poissons pélagiques, entre autres. Et donc, tout d'abord, je veux, Monseigneur, vous remercier énormément parce qu'on collabore déjà, vous nous aidez déjà avec un projet de marquage de requins baleines que l'on a depuis 2 ans. Et ces informations que nous recevons de la télémétrie satellitale sur les requins baleines est vraiment incroyable. On sait très très peu sur ces énormes poissons et cela va nous permettre encore de continuer à les protéger au niveau de la région. Toutes ces informations que nous recevons et que nous faisons à travers un grand réseau qui s'appelle Migramar, et c'est où on utilise de la télémétrie satellitale et acoustique pour connaître les mouvements de différentes espèces de requins. Là, c'est simplement certains des animaux qui ont été marqués au niveau de tout le Pacifique oriental tropical, depuis le Mexique jusqu'à l'Équateur. Et vous voyez comment tous les requins bougent et ne connaissent pas les frontières. Donc, l'importance de continuer, bien sûr, ce travail, et ça sera un honneur pour moi de pouvoir taguer des requins avec vous, Monseigneur. Monseigneur, je suis très heureuse et fière d'être ici aujourd'hui pour cette cérémonie qui marque le début d'une belle aventure et d'un projet important,
important pour la principauté comme pour votre gouvernement, Monseigneur, et plus largement pour les maires. Car les explorations de Monaco sont le fruit d'un long travail. Un long travail pour les différentes institutions participant à cet ambitieux projet et que nous venons d'entendre. Un long travail pour les équipes même des explorations de Monaco qui, depuis des mois, se démènent pour rendre tout cela possible. Je serai avec une délégation de la Principauté à New York en juin prochain aux Nations Unies dans le cadre de la grande conférence sur les objectifs du développement durable et sur l'objectif de développement durable 14 dont la thématique sera la conservation et l'exploitation de matières durables des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable. La Principauté fera entendre, comme toujours, sa voix en faveur des océans et pour apporter sa contribution sur ce sujet essentiel lié à l'avenir de notre planète et de sa population.